Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de VIP sur KTO. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une romancière à succès dont les livres ont été traduits dans le monde entier. Certains ont d'ailleurs été adaptés au cinéma. L'un d'eux, elle s'appelait Sarah, s'est vendu à 7 millions d'exemplaires dans le monde. Cet indice vous aura peut-être permis d'identifier qu'il s'agit de Tatiana de Ronay. Elle sera rejointe en deuxième partie d'émission par Thomas Pouzin, musicien. Il est le chanteur du groupe Glorious et viendra nous parler de son dernier album. Tatiana de Ronay, bonjour. Bonjour. Vous vous décrivez souvent comme franglaise, puisque votre père est français d'origine russe et votre maman anglaise. Vous avez d'ailleurs grandi entre Paris et Boston. Dans quelle mesure ces voyages ont-ils forgé votre personnalité ? Alors d'abord, je dirais que c'est plus que des voyages, parce que quand on hérite d'une double culture comme la mienne, donc un côté très anglais par ma mère et un côté franco-russe, et j'ajouterais mauricien par mon père, déjà, on apprend à parler deux langues tout de suite. Et quand on me dit « mais ta langue maternelle, c'est quoi ?», j'ai envie de répondre bah, « les deux langues, l'anglais et le français, puisque j'ai appris les deux en même temps, puisque ma mère m'a toujours parlé anglais, mon père français. » Ensuite, c'est vrai, je suis partie vivre aux États-Unis à la fin des années 60, puisque mon père a été envoyé à MIT, à Boston. Et là, mon anglais s'est teinté d'américain, aux grandes dames de ma mère, j'imagine, qui elle a un accent très britannique. Et je n'ai jamais d'ailleurs perdu cette pointe d'accent américain. Et je garde un souvenir assez ému de cette enfance américaine à Boston. Les racines russes de votre papa sont-elles pour quelque chose dans le titre de votre dernier ouvrage qui s'appelle « À l'encre russe » ? Oui, je dirais qu'elles ont une importance capitale. Je ne m'appelle pas Tatiana par hasard, hein, c'est un prénom qui a été choisi par mon arrière-grand-mère, qui s'appelait Natalia Rachevski. C'est elle qui a choisi mon prénom quand ma mère était enceinte de moi, l'été 1961. Ma mère allait accoucher, parce que je suis née en septembre 61. Et c'est vrai que j'ai eu envie d'explorer cette part russe qui m'a toujours fascinée, mais je n'avais jamais été jusqu'au bout. J'avais toujours lu sur ma famille russe, j'avais écouter les histoires qu'on avait pu me raconter, mais je n'avais jamais choisi d'écrire là-dessus et c'est chose faite. Vous parlez un petit peu russe ? Da. Ça s'arrête là ? Меня зовут Татьяна, я рада вас видеть. Je m'appelle Tatiana et je suis heureuse de vous voir. Je suis très impressionnée en tout cas. Alors effectivement, votre livre raconte l'histoire d'un jeune homme de 24 ans, Nicolas Duhamel, dont le père est mort lorsqu'il était enfant. Il découvre que son père n'est pas le fils, comme il le croyait, de Lionel Duhamel et qu'il s'appelle en réalité Kolskine. Alors il va faire tout un travail pour comprendre d'où vient sa famille, pourquoi elle a entretenu ce secret. Il y a toute une série de péripéties que je ne raconte pas ici. Il y a un élément déclencheur qui vous a donné particulièrement envie d'écrire ce livre ? Oui. Plusieurs, mais un, le plus important, en tout cas le plus poignant pour moi, ça a été il y a 3 ans, la mésaventure qui m'est arrivée quand j'ai fait renouveler mon passeport en 2009. Alors je suis née à Neuilly-sur-Seine, c'est un peu banal, mais c'est vrai. Et donc ma mère anglaise est née à Rome et mon père français est né à l'île Maurice. Et il y a cette nouvelle réglementation qui est passée à ce moment-là et qui fait que si vos parents sont nés à l'étranger, vous devez prouver que vous êtes française. Vous devez aller au pôle de la nationalité française dans le 13e arrondissement avec toutes sortes de paperasseries pratiquement introuvables parfois parce qu'on vous demande des actes de mariage, de naissance qui remontent à plusieurs générations. Et c'est là où je me suis heurtée, enfin ça a été on va dire, un moment à la fois pénible et palpitant pour une romancière, parce que tout d'un coup, quand je me suis retrouvée face à l'acte de naissance de ma grand-mère, qui était donc écrit en russe, ma grand-mère est née à Petrograd, puisque ça s'appelait comme ça, Saint-Pétersbourg, l'année où elle est née, c'est là où la petite germe a été plantée, et je me suis dit, mais au fond, imaginons l'histoire de quelqu'un qui, voilà, qui fait renouveler son passeport comme ça, en somme tout un acte banal, et parce qu'il doit prouver qu'il est français, parce que ses deux parents sont nés à l'étranger, tout d'un coup va tomber sur un terrible secret de famille. Et c'est comme ça que le roman démarre, et donc c'est comme ça qu'au pôle de la nationalité française, en attendant
Enfin, vous avez devant vous quelqu'un qui est bien français. Mais ça doit être un peu vexant peut-être quelque mais part. Mais ça a été vexant, ouais, et puis ouais, surtout vous imaginez aussi le nombre de gens qui n'ont peut-être pas la possibilité de s'exprimer ou alors de retrouver toute cette paperasserie qu'on vous demande. C'est pas évident. Et puis c'est long, moi ça a pris à peu près 5 mois pour prouver que j'étais bien française. C'est incroyable. Oui, c'est incroyable. Mais en même temps, je suis contente d'avoir vécu ça parce que ça m'a, oui, ça m'a mis sur la piste russe. Alors effectivement, la quête des origines, hein, on sent au travers des pages de ce roman que c'est quelque chose d'important pour vous. Dans quelle mesure le fait de vous lancer dans ce roman, ça vous a permis de réfléchir en ce qui vous concerne à la notion d'identité ? Bah, quelque part, c'est vrai que quand on m'a dit « vous devez prouver que vous êtes française », j'ai eu un choc parce que je me suis toujours considérée française. En même temps, je me rends compte qu'avec avec autant de nationalités et de sang différents qui sont en moi, j'ai très peu de sang français quelque part. Je suis née en France, mais voilà, je suis russe, anglaise, mauricienne. Et mon héros, il va vivre cette quête identitaire, et c'est toujours finalement romanesque une quête identitaire. Mmh. On commence par être confronté tout d'un coup à quelque chose qu'on n'avait absolument pas imaginé, et Nicolas Duhamel va découvrir qu'au fond, il ne s'appelle pas du tout Duhamel. Et j'avais envie de décrire ce moment très précis où sur le papier, parce que ça commence souvent par là, hein, la quête d'identité, c'est-à-dire qu'on se rend compte que son nom ou une date ou une adresse ne correspond pas à tout ce qu'on savait de soi-même. Par exemple, Nicolas Duhamel va comprendre que son père, finalement, était un étranger. Et ça, je pense que pour une romancière, c'est une porte qu'on ouvre comme ça. Et moi, j'avais envie de suivre ce chemin. L'histoire de Nicolas n'est pas précisément mon histoire. Le secret de famille qu'il a découvert n'est pas exactement le mien, bien sûr. Mais j'avais envie de transposer, de donner à Nicolas ce que j'ai ressenti, moi, ce jour-là, quand on m'a dit « prouvez que vous êtes française ». Et savoir d'où l'on vient, précisément, c'est quelque chose qui vous paraît important, peut-être pour savoir où on va. Mais quand on a des racines aussi mélangées et diverses que les miennes, c'est parfois difficile. Je vous donne un exemple idiot. Quand il y a un match de foot à la télé et que c'est la France contre l'Angleterre, c'est un drame pour moi parce que je ne sais jamais de quel côté être. Je suis aussi à l'aise dans une langue que dans l'autre. En tout cas, je parle d'anglais et français, bien sûr, hein, puisque le russe, ce n'est pas encore ça. Ceci dit, vous m'avez beaucoup impressionnée tout à l'heure. Ah, écoutez, il faut remercier mon professeur de russe, Xenia. Je la remercie parce qu'elle a beaucoup de patience. Mais pour revenir à votre question, au fond, sait-on vraiment jamais qui on est ? Je ne sais pas, c'est une question que je pose. Est-ce que c'est parce qu'on sait vraiment d'où on vient, qu'on sait où on va ? Je ne sais pas. Je ne peux pas vous répondre, mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est que cette aventure russe que j'ai vécue dans ce livre, qui m'a permis de faire ce roman assez rocambolesque et plein d'événements, m'a permis aussi d'aller pour la première fois de ma vie à Saint-Pétersbourg pour aller sur la tombe de mon arrière-grand-mère, celle qui a trouvé mon nom, rencontrer ma famille russe et entreprendre un petit peu ce voyage à l'encre russe. Les thèmes du mensonge et du secret, c'est des thèmes qui reviennent très, très régulièrement dans vos œuvres. C'est des thèmes qui vous travaillent beaucoup. Je crois que quand on est dans une famille comme la mienne, où il y a tellement d'aspects romanesques, de vies très différentes, de personnages très différents, je crois aussi quand on est une petite fille qui s'intéresse à la lecture comme je l'ai été, c'est-à-dire que j'ai commencé à dévorer des romans quand j'avais 9, 10, 11, 12 ans, je lisais Daphné du Maurier, je lisais déjà Lolita de Nabokov, je dirais que ce n'est pas le mensonge qui m'intéresse, c'est le secret, bien sûr, mais comment le secret est dissimulé. Ce n'est pas fatalement le mensonge, parce que ça peut être tout simplement le silence. Et rester silencieux ne veut pas forcément dire mentir. C'est un mensonge par omission. Exactement. Donc, je dirais que le secret m'intéresse parce qu'il a un moteur romanesque très puissant. Il vient du passé, comme un boomerang. Clin d'œil à l'un de vos précédents livres. Exactement. Il va à la fois modifier le présent d'une façon spectaculaire,
Et en modifiant le présent, eh bien, il va aussi modifier l'avenir. Et c'est pour ça que, pour nous, les romanciers, le secret de famille est une espèce de boîte de Pandore bien juteuse qu'on aime bien ouvrir de temps en temps. Et c'est vrai que dans tous mes livres, vous avez raison, il y a un secret de famille. Sauf que celui-là, celui dans l'encre russe, il est vraiment... Comme c'est un roman qui n'est pas du tout linéaire, je l'approche par des façons... Comme des poupées russes, hein, pour le coup. Ah, vraiment. C'est des poupées russes. C'est-à-dire que vous pensez avoir... Hop, je vous réserve une autre poupée russe juste derrière. Donc c'est vraiment... voilà, la toute petite poupée, elle est comme ça. Et avant d'arriver à celle-là, eh ben, il y en a 15. Vous avez découvert des secrets de famille dans votre propre famille ? Mais bien sûr, mais est-ce que vous pensez que je vais vous les dire ? Peut-être pas. Oui, j'ai des secrets de famille, bien sûr, on en a tous. Mm-hmm. Bien sûr qu'on a des secrets de famille. Et certains sont déchirants, bouleversants, d'autres sont passionnants et émouvants. Et je m'intéresse aussi beaucoup aux secrets des autres. Les gens, parfois, me confient leur histoire, vous savez. Il ne faut pas oublier aussi que parfois, les écrivains sont des petits vampires. Même si je ne mettrai jamais en danger l'amitié que quelqu'un m'a confiée, je ne mettrai jamais son secret dans le livre. Peut-être que parfois, un secret ou une confidence peut faire démarrer. Peut vous inspirer. Mais oui, et ce livre, à l'encre russe, raconte précisément comment un écrivain est inspiré par quelque chose. Alors justement, c'est une des questions que j'avais envie de vous poser. D'où vient votre inspiration ? Ah. Alors, j'ai envie de vous dire que d'abord, je pense qu'il y a la vie de tous les jours. Il y a la vie. Il y a les gens qu'on rencontre, il y a les rencontres, il y a les conversations qu'on peut entendre dans un restaurant, dans une rue. Il y a même le physique de quelqu'un qui peut vous marquer. Ou alors, il y a un événement bouleversant qui peut vous transpercer comme un couteau. Vous êtes choqué, vous êtes absolument ému, vous pleurez. Ou alors, ça peut être aussi une situation tragique, comique. Ça peut être aussi un événement du passé qui vous a marqué et que vous n'osez pas appréhender. Et tout d'un coup, vous vous dites, j'ai envie de parler de ça. Et donc, vous essayez de l'ancrer dans le présent. Et puis, simplement, je dirais que les écrivains ont aussi ce qu'on appelle de l'imagination. Et quand j'étais petite fille à l'école, au collège, j'écrivais, j'adorais les rédactions. J'en faisais qui étaient très, 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 très longues. On me demandait 4 pages, les miennes faisaient 15 pages. J'aimais raconter les histoires, donc je pense que c'était inné, c'était déjà en moi depuis que j'avais 8, 9, 10 ans. Oui, parce que tout à l'heure, vous me disiez qu'à l'âge de 8, 9, 10, 11 ans, vous lisiez énormément Daphné du Maurier et d'autres auteurs, mais vous êtes modeste, vous ne dites pas que vous aussi vous écriviez, et au-delà de ces rédactions, si j'ai bien compris, vous avez écrit votre premier livre à l'âge de 11 ans dans un cahier Clairefontaine, en anglais. De quoi est-ce que parlait ce premier livre ? Alors d'abord, il faut que j'explique le contexte. J'avais pas du tout... prévu d'écrire, j'aimais écrire ces rédactions. C'était l'anniversaire de ma mère et j'avais une sacrée grippe et je ne pouvais pas sortir pour lui acheter un cadeau et donc je me suis dit, j'ai une semaine à la maison, je vais lui écrire une histoire. Maman était anglaise, l'histoire est venue en anglais. C'était l'histoire d'une petite fille de mon âge qui vit à Londres au 19e siècle et qui a toutes sortes d'aventures assez extraordinaire avec son voisinage. Enfin, c'était une vision un peu à la... Ma vision du haut de mes 11 ans, je venais de lire Oliver Twist. Mm-hmm. Et j'avais envie de me plonger dans un monde comme ça, victorien. Et c'est vrai que ma mère a été... comment dire ? Pas emballée, parce que c'est pas dans sa nature, mais elle a été très touchée que je puisse écrire un livre pour elle. Et elle m'a dit, mais tu devrais continuer. Et Dieu merci d'ailleurs, parce qu'elle aurait pu me dire, bon, c'est bien, mais maintenant, il faut que tu retournes à l'école et que tu fasses tes devoirs. Elle m'a encouragée, mon père m'a encouragée. Et c'est comme ça que j'ai écrit tous ces romans, cette quinzaine de romans qui sont maintenant dans une boîte, dans ma cave. Tout ce que j'ai écrit entre l'âge de 11 et 25 ans, qui ne sera jamais publié, hein, je précise, mais qui sont les manuscrits qui ont peut-être forgé l'auteur que je suis aujourd'hui. Alors, avant de devenir véritablement auteur, vous avez exercé en tant qu'attaché de presse, puis comme journaliste pour Vanity Fair, Psychologie, Elle, le JDD, pour lequel vous continuez d'ailleurs à collaborer de temps en temps. Quel regard est-ce que vous portez sur ces années-là ?
Ça me manque un peu d'être journaliste, de faire le métier que vous faites là, puisque finalement, quand on écrit ces romans, on est seul et on a besoin de cette solitude pour écrire. C'est quelque chose de très important d'être tranché dans son monde à part. Et mon métier de journaliste me passionnait parce que j'allais beaucoup à la rencontre des autres et j'interviewais aussi beaucoup de romanciers. Et ce qui m'intéressait beaucoup, c'était de leur faire parler du processus d'écriture, hein, qui est d'ailleurs le sujet de mon livre aujourd'hui, comment un écrivain écrit. Donc j'aimais poser toutes ces questions. Ça me manque un peu de temps en temps, effectivement, je collabore à ces journaux que vous avez cités, notamment le JDD. Et peut-être qu'un jour, j'y reviendrai, mais c'est vrai que pour l'instant, j'ai donné la priorité à mes romans. Alors justement, pourquoi est-ce que vous avez décidé d'abandonner cet univers qui vous plaisait pour vous consacrer à l'écriture de votre premier roman? C'était en 1992, je crois, pour L'appartement témoin, c'était votre premier roman. Pourquoi avoir quitté l'univers du journalisme pour écrire? Mais non, je n'ai pas quitté l'univers du journalisme, parce qu'à l'époque, entre L'appartement témoin, qui a été mon premier roman publié en 92, et Elle s'appelait Sarah, qui a été publié en 2007, mes livres ne se vendaient pas. Donc il fallait bien que je gagne ma vie. Mes livres avaient une petite audience, j'avais, on va dire, ce qu'on appelle un lectorat un peu intime. Et j'ai changé d'éditeur au moment d'Elle s'appelait Sarah. Et là, il y a eu cette espèce d'ouragan. Voilà, l'ouragan, on rappelle les chiffres, hein, 7 millions d'exemplaires dans le monde, c'est gigantesque. Ça a été quelque chose d'assez extraordinaire, qui d'ailleurs, je vous assure que je ne m'en remets toujours pas. J'allais vous demander justement comment vous avez vécu ce succès. C'est très particulier, un succès, parce que ça vous tombe dessus. Et puis, j'aurais pu finir comme Nicolas Colt, mon héros, à qui le succès est venu très tôt, hein, puisqu'il avait 25 ans et moi, j'en avais déjà 45 au moment de la publication de Sarah. Donc, quelque part, je dirais que ma maturité, le fait que j'ai une vie de famille très, très construite, ma famille est très présente. Je rappelle, vous avez deux enfants, une fille de 21 ans et un garçon de 23 ans. Voilà, mon mari, puis mes parents, dont je suis très proche. Donc, je pense que ce succès ne m'a pas atteinte dans ma tête parce que j'avais ces espèces de points d'ancrage. Des valeurs sûres qui vous... Voilà, alors que Nicolas Colt, puisque Nicolas Duhamel devient Nicolas Colt, cet écrivain à succès, lui, il pète un peu les plombs, entre guillemets, parce que justement, il est très jeune et il n'a pas tout ce que j'ai derrière moi, cette famille, cet ancrage et cette espèce de firewall autour de moi qui peut me protéger de tout ce qui aurait pu m'arriver. Est-ce qu'au-delà de cette famille, de ces repères extrêmement stables, hein, que représentent vos enfants, votre mari, vos parents, le fait d'avoir peut-être une dimension spirituelle, vous semble-t-il, a pu vous aider à garder la tête froide face à ce succès? Je dirais que ce qui m'a aussi beaucoup aidée, c'est aller à l'encontre des autres dans tous les pays où j'ai commencé à beaucoup voyager. Et donc, le fait de découvrir de différentes cultures, d'aller dans des pays que je ne connaissais pas, de voir des gens qui n'étaient pas, qui étaient complètement différents de moi par leur tradition, par leur religion aussi parfois, ça m'a beaucoup ouvert les yeux. Et ça a été, je dirais, un enrichissement. Je m'intéresse beaucoup aux autres. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'apprends le russe. Ce n'est pas seulement parce que j'ai des racines russes, mais je trouve que c'est une langue passionnante. Très dur à maîtriser, ça je vous le cache pas, mais c'est le fait d'aller vers autrui, d'aller rencontrer mes lecteurs dans tous ces pays finalement très 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 différents, parce que là je rentre de Norvège par exemple, où j'ai été frappée par la tolérance qui règne dans ce pays, l'ouverture envers les autres, ça m'a fait du bien. J'aime beaucoup, lors de mes voyages, écouter les autres. Et peut-être que ça m'apporte, oui, une forme d'apaisement, d'enrichissement, d'ouverture d'esprit. Vous êtes très proche, hein, d'ailleurs, de votre public. Vous l'avez sollicité pour le choix du livre de votre dernier ouvrage. Oui. Alors, finalement, ce n'est pas forcément eux qui ont choisi le titre, mais en tout cas, via Twitter, via les réseaux sociaux, parce que vous êtes très au goût du jour, vous avez sollicité votre public pour qu'il vous donne des idées de titre, c'est ça? C'est vrai que pour L'encre russe, je n'arrivais pas du tout à trouver le titre de ce livre et c'est très embêtant quand on n'a pas le titre d'un livre parce qu'on est à la fin du livre et le livre est là et tout d'un coup on n'a pas le titre et on se sent dépossédé de son livre. Le titre vous vient à la fin, la recherche du titre vient à la fin de l'écriture? Non, en général j'ai toujours le titre avant et là je ne l'avais pas. Et donc j'ai demandé à mes abonnés sur Twitter et à mes friends sur Facebook de m'aider. Je leur ai donné quelques éléments du livre, que ça se passait en Italie un été, que mon héros était un jeune écrivain,
d'origine russe. Voilà, que ça se passait dans un hôtel, un magnifique hôtel au bord de la Méditerranée. Et là, j'ai eu des réponses, mais alors tellement incroyables, certaines très drôles, pas du tout utilisables, et d'autres très touchantes. Les gens s'étaient donné vraiment du mal. Ils se sont investis. Mais oui, il y a même eu un auteur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Daniel Mendelssohn, qui vit à New York et qui a dit « Oh, c'est simple, il faut l'appeler Nicolas, l'été, l'Italie ». C'était beau, d'ailleurs. Mais bon, on n'a pas pris ce titre-là. Mais pour la petite histoire, la personne qui a trouvé le titre, eh ben, c'est un autre Nicolas, le mien, mon mari, qui s'appelle aussi Nicolas. Et c'est lui qui a trouvé à l'encre russe. D'accord. Je voudrais qu'on parle un petit peu d'elle. Elle s'appelait Sarah, que vous évoquiez tout à l'heure, qui vraiment vous a plongé dans un succès phénoménal. Le livre a été adapté au cinéma avec l'actrice Christine Scott Thomas. Vous avez été sollicitée, que ce soit pour le casting ou pour apporter des conseils dans le cadre du tournage du film ? Alors en fait, non, je n'ai pas été sollicitée, mais il y a eu une telle osmose dès le départ, une telle entente entre Gilles Paquet-Brenner et moi-même, donc le jeune réalisateur, qu'on s'est tout de suite compris. Et j'ai lu le scénario donc, écrit par lui et par Serge Joncourt, très en amont. J'ai été présente lors du tournage, j'ai même un petit rôle très fugace dans le film. J'ai rencontré tous les acteurs, j'ai fait toute la promotion après avec les acteurs dans plusieurs pays. Ça a été des moments absolument extraordinaires que je n'oublierai jamais. Donc j'ai vécu une aventure magnifique avec Sarah. Et j'ai quatre autres livres qui sont en train d'être adaptés là. Et j'espère que je vais vivre quelque chose d'aussi émouvant, d'aussi riche qu'avec Sarah. Ce sont lesquels qui sont en cours d'adaptation ? C'est Mocha, oui. Spirale, Le Voisin et Boomerang. Quand vous écrivez, qu'est-ce que ça vous apporte, la démarche d'écrire ? Je me rends compte que j'écris depuis que j'ai l'âge de 10 ans, donc ça fait 40 ans que j'écris. Donc je dirais que ce n'est pas une démarche. Je vous dirais que c'est ma vie, que c'est ce que je fais. J'aime pas non plus dire c'est mon job, parce que c'est aussi un tel plaisir d'écrire. On part dans un monde qu'on a inventé et on ouvre cette porte, on ouvre la porte de ce monde-là au lecteur, et il y a un partage qui arrive et qui est très riche et très émouvant. Donc je dirais que écrire, c'est transmettre une émotion. C'est une bouteille à la mer. On écrit un livre, on jette cette bouteille à la mer. On ne sait pas du tout qui va trouver cette bouteille, qui va être sensible à ce message. Peut-être qu'il y a des gens qui ne seront pas sensibles au message. Hein, ça, c'est la loi de l'édition, c'est la loi du livre. Mais moi, j'ai l'impression que j'ai trouvé mes lecteurs. Et donc, j'écris pas particulièrement pour eux, mais j'écris beaucoup pour moi, pour nous, mais aussi peut-être parce que j'ai une histoire, tout simplement une histoire à raconter, et qu'en écrivant mes livres, je redeviens cette petite fille de 11 ans qui a pris un jour la plume pour écrire un roman à sa mère. J'aime raconter des histoires, j'aime que mon lecteur soit surpris, j'aime que mon lecteur soit séduit, j'aime que mon lecteur se dise « mais mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer ?» J'aime aussi le faire un petit peu réfléchir, j'aime pas lui mâcher tout le travail dans l'encre russe. D'ailleurs, comme la construction de ce livre est un peu compliquée, il y a des passages où il faut qu'il ou elle suive bien, parce que je veux pas mettre du fil blanc là-dedans. Donc je dirais qu'écrire, c'est un partage. Est-ce que vous vous sentez investi d'une mission quelque part quand vous écrivez ? Oh non, 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 non. Non, je trouve que la plus belle récompense pour moi en tant qu'écrivain, c'est quand quelqu'un qui n'aime pas lire me dit « Oh là là, j'ai ouvert votre livre par hasard » ou « J'ai ouvert un de vos livres par hasard » et j'ai découvert ce que c'est que le plaisir de la lecture et maintenant je lis, je n'arrête pas de lire. Voilà, donc si je dois reprendre votre mot, je dirais, voilà, la mission qui me fait le plus plaisir, c'est, oui, de faire plaisir au lecteur, de lui montrer dans ce monde tellement numérique, tellement digital, où nous sommes tellement les esclaves de nos écrans. Un monde digital que vous maîtrisez très bien. Que je maîtrise très bien, mais en même temps, c'est pas un monde, voilà, de littérature. Donc j'ai envie de vous dire que si les gens
ont plaisir à me lire, et ben ça, c'est la plus belle des récompenses. Il est musicien, il vient tout juste de publier un album. Son nom, c'est Thomas Plouzin. Il va nous rejoindre dans quelques secondes. On connaît davantage le groupe auquel il appartient, puisque ce groupe, c'est Glorious. Il va nous rejoindre sur ce plateau. Bonjour. 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 Bonjour Thomas. Est-ce que vous avez envie de réagir à ce qu'a pu dire Tatiana de René dans la première partie de cette émission ? Très intéressant, très beau. Une vie bien riche, bien rempli de beaucoup de choses. Non, c'était très, très beau de voir comment elle exprime son art dans l'écriture. Très intéressant. Alors vous appartenez au groupe Glorious, qui a été fondé en 2000 suite aux Journées mondiales de la jeunesse, fondé par vous-même et par vos deux frères, Aurélien et Benjamin, même si Aurélien n'est plus très actif aujourd'hui dans le groupe, si j'ai bien compris. C'est un groupe de pop louange catholique. Alors expliquez-nous d'abord ce que c'est qu'un groupe de pop louange catholique. Alors la pop louange, en fait on a essayé de trouver, on a inventé quasiment ce terme avec mes deux frères, donc Aurélien et Benjamin. En fait on est des jeunes qui avons cheminé avant tout dans la foi. On a vécu des choses assez fortes autour des JMJ, de ces grands rassemblements organisés. Donc celui qui a été marquant pour nous, c'était en l'an 2000 par Jean-Paul II à Rome. On a fait vraiment tout un parcours spirituel, un chemin de foi. On vient d'une famille chrétienne. Avec une éducation très religieuse. Voilà, une éducation religieuse, mais comme on le sait tous, la foi, c'est... On peut nous en parler, mais ce n'est pas quelque chose qu'on impose, ni qu'on peut réellement donner. C'est vraiment un choix personnel qui est fait à un moment donné. Et avec mes frères, on a fait ce chemin et ce choix de choisir la foi, de choisir le Christ dans nos vies. Et on était musiciens depuis tout jeune, dans la cave de nos parents. Il y avait une guitare qui traînait, il y avait un vieil orgue. Et puis on s'est mis à écrire, en fait, notre prière. C'est-à-dire que... on avait commencé au tout début à faire comme font tous les jeunes groupes du rock, on reprenait les Beatles, on reprenait tout ce qu'on écoutait à l'époque comme musique. Et quand on s'est mis à composer, nous, nos propres chants, on a eu envie de s'inspirer de textes qui nous ont marqués dans la Bible. On a eu envie, plus que de raconter un message personnel, on a eu envie de partager cette foi, de parler de cette foi et plus encore d'emmener les auditeurs, les gens qui nous écouteraient, leur faire partager notre prière. Et donc, Pop Louange, c'est né comme ça. C'est-à-dire qu'on a cherché un terme. Il n'y avait pas de terme pour vraiment appeler cette musique qu'on était en train de faire. Et à l'époque, on parlait un petit peu de rock chrétien. Ça ne nous parlait pas trop, parce que notre musique n'est pas... C'est moins joli. C'est moins joli, ça sonne moins bien. Et puis, déjà, parce que notre musique est plus pop que rock. C'est vraiment une musique pop variété, on va dire, au départ. Et puis, louange, parce que c'est vraiment le terme... la louange, c'est la prière du peuple de Dieu. C'est quand n'importe quelle personne, dans n'importe quelle culture, à n'importe quel coin du globe, se met à louer Dieu, c'est de la louange, quel que soit le style de musique, quel que soit même les termes qu'ils vont employer. Et voilà, on a trouvé ce terme de pop louange. Et donc, voilà, en 2002, on lance l'aventure avec mes deux frères de Glorious. Vous qui avez beaucoup voyagé, Tatiana de René, est-ce que vous avez vu ça aux États-Unis où c'est peut-être un peu plus fréquent, ces groupes de pop louange, que ça ne l'est en France? Est-ce que vous avez déjà croisé? Oui, j'en ai vu. Et puis, c'est vrai aussi qu'il y a tout le gospel. Hein. Oui, absolument. Moi, je suis très sensible à ça. J'ai assisté à beaucoup de concerts de gospel dans les églises américaines. J'avoue que j'ai une grande passion pour ces voix-là. Et pour, donc, je suis très curieuse de voir ce que vous allez... j'ai hâte qu'on voit l'extrait pour voir ce que ça va donner. Ben justement, on va regarder un extrait tout de suite. C'est un extrait de votre 7e album, hein, puisque le groupe Glorious, vous êtes tout jeune, mais a déjà sorti 7 albums. C'est le 7e qui vient de paraître. Et on va écouter ensemble « Nous dansons ». Notre Dieu est là. Nous dansons pour notre génération. Nous prions parmi les acclamations. Élevons nos mains vers lui. Nous marchons, reçois notre adoration. Nous venons, élever ton saint nom. Notre Dieu est avec nous maintenant. Dieu est dans nos yeux. Dieu est dans nos mains. Dieu est dans nos mains. Dieu est
génération. Nous prions parmi les incarnations. Élevons nos mains vers lui. Nous marchons, reçois notre adoration. Nous venons, élever ton saint nom. Notre Dieu est avec nous maintenant. Tatiana de René, est-ce que vous avez envie de réagir au clip qu'on entend ? Je trouve ça très positif, très jeune, très pop. Ça me plaît beaucoup. Moi, j'adore la musique. De toute façon, on m'appelle Silver Disco Queen. Alors, vous savez, ça, vous avez dû le voir aussi. Donc, j'adore la musique, j'adore danser. Donc, moi, ça m'a donné envie de danser tout de suite. Ça peut s'envisager. Ce qui est fou, c'est que quelqu'un qui ne parle pas français ou si on ne fait pas attention aux paroles, on a vraiment l'impression que c'est de la musique pop moderne. Alors, justement, la musique catholique peut parfois souffrir d'une image un peu ringarde, entre guillemets. Est-ce que ça fait partie de votre volonté, avec ce type de musique, de clip, d'ambiance, de déringardiser les messages catholiques ? Bien sûr, ouais, c'est un vrai désir de notre part. En fait, on est jeune, on est pleinement dans notre monde, pleinement dans notre culture, et on a la foi. Et on est fiers et très heureux d'être chrétien. Et pour nous, ça ne va pas du tout à l'encontre de vivre dans le monde, d'être pleinement imprégné de toute notre culture avec tout ce qu'elle a de bon et toute la musique qui passe en radio, être capable de dire nous c'est la musique qu'on écoute, c'est la musique qui nous fait vivre. Pourquoi la musique qu'on utilise pour louer Dieu, ce que j'expliquais tout à l'heure, pour vivre notre louange, pourquoi elle serait forcément différente ou toujours un peu en retrait ou toujours un peu dans une peur de ce qui serait dans le monde, ou triste. Moi, ce qui me frappe dans votre musique, c'est qu'elle est très joyeuse. Et c'est vrai. Alors, comment réagissent des gens de votre génération, par exemple ? Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas, qui vous disent c'est pas sérieux. Par exemple, ce clip qu'on vient de voir là a été tourné dans une église. C'est vrai ? Oui. Je voulais qu'on parle un peu de la réalisation, justement. C'est formidable. Dans quelle église ça a été tourné ? Ça a été tourné dans notre paroisse à Lyon, qui s'appelle Sainte-Blandine, donc une des paroisses du centre-ville de Lyon, dans le 2e arrondissement. En fait, on est avec Glorious très impliqués dans cette paroisse, c'est-à-dire qu'on fait des tournées de partout en France tout au long de l'année, et chaque dimanche, c'est notre engagement premier en tant que chrétien, on anime la messe, mais d'une manière vraiment renouvelée, qu'on essaie de faire vraiment décomplexer, un peu inspiré de ce qui peut se vivre dans certaines églises où le gospel. Aux États-Unis, j'allais vous demander justement si vous êtes inspiré de l'exemple américain. Absolument, moi je suis allé voir et découvrir certaines églises aux États-Unis, notamment dans le milieu évangélique, où en tout cas l'aspect culturel est vraiment revendiqué et assumé. Ils n'ont pas peur d'utiliser vraiment les moyens du monde. Et parfois dans l'église catholique en France, on a un petit peu de crainte. Donc voilà, on prend notre temps pour bien faire les choses. Et quand vous dites vous animez comment ? Alors, on n'anime pas tout à fait comme on a vu dans le clip quand même. Dommage, mais... je serais venu tout de suite à la messe. mais c'est notre objectif, j'allais dire à long terme. Alors, on fait les choses calmement. Donc on anime, la grosse différence de base, c'est-à-dire qu'on utilise, au lieu de l'orgue très traditionnel, on utilise un piano, des guitares. Et tout le registre, c'est vraiment des chants renouvelés, des chants qu'on compose, qu'on écrit nous-mêmes. Et donc, ça fait quand même une ambiance dans l'église vraiment plus décomplexée, décontractée que ce qu'on est habitué à voir. Les gens tapent dans les mains, les gens peuvent même, pourquoi pas, danser. On fait en sorte que les gens soient bien et que l'église devienne un lieu où on fête vraiment la résurrection de Jésus-Christ. Est-ce que vous avez le sentiment, et à Lyon, les gens dans l'église, qu'il y a davantage de fidèles qui viennent à la messe depuis que vous animez le dimanche matin ces offices ? Il y a des gens qui sont sensibles, il y a des gens qui ne viendraient pas à l'église et qui, quand ils entendent des chants renouvelés, un peu plus modernes, plus en phase avec ce qu'ils vivent, tout simplement, sont réattirés par l'église. C'est une vraie question pour nos communautés chrétiennes et en France notamment. De pouvoir rejoindre les gens à travers la joie. Parce que c'est la première, le premier attribut que doit avoir un chrétien, c'est la joie.
Et vous avez le sentiment justement que c'est quelque chose qui manque, hein, je pose la question à l'un à l'autre, à l'heure actuelle, cette dimension de joie et qui peut peut-être dissuader certaines personnes de se rendre à la messe, parce que pour beaucoup, il y a ce côté, on y va un peu contraint, forcé, voire traîné par ses parents quand on est enfant. Est-ce que vous avez le sentiment que cette dimension un peu gospel, hein, que vous évoquiez tout à l'heure, c'est quelque chose qui manque à l'heure actuelle? Moi, je le crois et je pense vraiment que plus nos cérémonies, nos célébrations seront joyeuses, dynamiques et incarneront vraiment le message de l'Évangile, plus les gens seront rejoints, plus les gens franchiront assez naturellement d'ailleurs les portes des églises et viendront découvrir du coup le message de l'Évangile. Parfois, c'est vraiment la forme. Vous parlez de forme, c'est vrai que dans les chants grégoriens, il y a cette volonté justement d'attirer les gens par des formes différentes et qu'il y a beaucoup de gens qui sont sensibles. Est-ce que vous avez été à la messe? Est-ce que vous y avez traîné vos enfants? C'est vrai aussi que... Moi, j'ai des parents qui ont des religions très différentes, hein, puisque ma mère est protestante et mon père est catholique et ma grand-mère était orthodoxe. Donc, vous voyez, ils étaient pratiquants, ils vous ont donné une éducation religieuse ? Non, j'ai eu une éducation religieuse, mais mon père, en tant que scientifique, m'a dit... lui, ce qu'il veut faire passer, et je pense qu'il a raison, c'est un message de tolérance. Ouais. Donc, moi, je m'intéresse à toutes les religions. Et je suis d'accord avec ce que vous dites, que je trouve que c'est vrai que l'Église catholique aujourd'hui, en tout cas ses messes, ont besoin d'un coup de jeûne comme ça, ou alors de quelque chose de différent, de plus joyeux. Et le fait d'associer la musique, comme c'est le cas dans ces messes de gospel dont on parlait tout à l'heure, ça fait que parfois on a, sans même la parole, sans même la lourdeur de quelque chose de pesant, de triste, on peut faire passer un message, peut-être plus d'espoir à travers une musique. Et c'est vrai aussi que je reviens, ma grand-mère, moi je suis souvent allée à des messes orthodoxes avec elle, parce qu'elle était très croyante, ma grand-mère russe, Natacha. Et j'ai été frappée de la beauté de ses chants, parce que les messes orthodoxes sont très chantées, et même à son enterrement, qui était bouleversant pour moi parce que j'adorais ma grand-mère plus que tout. On a chanté pendant tout le service, debout, parce que chez les orthodoxes, on ne s'assied pas, avec la bougie qu'on tient, et on marchait autour d'elle, comme ça, avec ses chants magnifiques. Et ça nous a aidés à la laisser partir. Thomas, vous êtes un cas un peu particulier parce qu'à la fois vous chantez, vous jouez de plusieurs instruments, ce qui est rare, en général on maîtrise un seul instrument, et en plus vous avez un véritable don scénique. Est-ce que vous avez le sentiment que tous ces talents, c'est un cadeau de Dieu ? Oui, c'est sûr. Par contre, ce que je crois, c'est qu'on a tous, vraiment tous, des dons. Et que un des buts, je crois, de notre vie, c'est vraiment les découvrir. Et je crois que lorsque quelqu'un découvre le domaine dans lequel il a reçu un don, un charisme, comme c'est utilisé dans la Bible, ce terme de charisme qui dit c'est voilà. C'est le cas d'écriture pour Tatiana. Exactement. Je pense vraiment que c'est à ce moment-là que notre vie, quand même, s'harmonise et qu'on trouve une joie, un bonheur vraiment profond. Je sais qu'en tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça, c'est-à-dire que la découverte de ce don pour la musique, d'être capable de penser des mélodies, être capable de jouer des instruments, et plus encore que ça, avec Glorious, d'être capable, par ses chants, de permettre aux gens d'entrer dans la prière, vraiment de leur faire vivre une expérience de prière par une mélodie, par un texte. Voilà, moi, je sais que c'est quelque chose qui, dans ma vie, m'apporte vraiment beaucoup de joie. On essaie beaucoup avec notre public, beaucoup de jeunes, souvent chrétiens, parfois simplement des jeunes un peu en recherche. Moi, j'essaie vraiment de toujours dire aux jeunes, parce que je pense qu'ils l'entendent malheureusement peu, qu'ils ont du talent. Je peux pas leur dire dans quoi quand je les rencontre, mais tu as un talent, tu as quelque chose qui t'est donné, et si tu découvres ça, c'est vraiment un moyen de trouver quelque chose de très positif dans ta vie. On va écouter un deuxième extrait, il s'agit cette fois de Sa Majesté, justement, puisque vous parlez de la dimension prière. On va écouter un extrait, Sa Majesté. Je te loue, mon Dieu, pour ta majesté. À la croix, tu me rends la liberté. Jamais je ne pourrai.
réaction face à ce deuxième extrait ? Je trouve que ce jeune homme chante très bien. Merci. Vous avez reçu une éducation musicale au-delà de l'éducation religieuse ? On est un petit peu comme Sir Paul McCartney. Sir Paul McCartney, c'est pas lire une note. Et c'est incroyable de voir ce qu'il a écrit, composé, pensé comme musique. En fait, donc c'est un autodidacte. On a eu cette particularité-là. Il y avait une guitare, comme je vous disais tout à l'heure, dans la cave de mes parents, mais il n'y avait vraiment qu'une guitare. Nos parents ne nous ont pas du tout, même pas poussé vers une éducation musicale, c'est-à-dire qu'on a découvert la musique par nos propres moyens, en essayant, en tâtonnant. Je pense que c'est vraiment une très belle manière, très pure en fait, de découvrir la musique, l'harmonie, les mélodies, parce qu'on est parasité par absolument rien. On n'a pas, quelqu'un qui nous dit voilà, il faut aller comme ça, il faut faire comme ça. Après, je pense que tout le monde ne découvre pas la musique comme ça. C'est très très bon, très positif de pouvoir prendre des cours. Mais c'est vrai que notre chemin a été, on est vraiment autodidacte. Et donc, on compose, et avec mon frère Benjamin, et on écrit très spontanément, sans avoir reçu ni des cours de composition, ni des cours de musique particuliers. Voilà, c'est la passion. On a passé des heures à réfléchir comment placer mes doigts sur mon piano et sur ma guitare pour que ce soit... pour que ça marche, pour que ça fonctionne. Quoi. Alors après 6 années de Glorious, parce que pour le coup ça fonctionnait très bien et vous avez parfaitement su où positionner vos doigts pour que ça fonctionne, après 6 années de Glorious, vous avez eu envie en 2008 de partir en Afrique, plus précisément au Cameroun. Vous avez vécu dans des conditions, si j'ai bien compris, relativement spartiates. Parlez-nous un peu de cette expérience. Voilà, c'était donc on a fondé Glorious en 2002 et après 5-6 ans d'expérience, on avait... On était très jeunes. Moi, j'avais 17 ans quand on a fondé Glorious. Donc, le bac en poche, on a lancé un premier album. Ça, il y a eu un très bel écho. On a réussi à vendre beaucoup d'albums. Il y a un bel engouement. Et puis, les premières années ont passé. Mais c'est vrai que si jeune, très vite, voilà, il a fallu un moment. Après 5-6 ans, on a éprouvé le besoin de nous poser, voilà, de faire un break. Et puis, pour savoir aussi vraiment quel chemin on voulait donner à notre vie, parce qu'à 17 ans, ce n'est pas forcément évident de prendre les décisions de manière très lucide. Et donc moi, à ce moment-là, j'ai pris cette décision de partir un an vivre en Afrique. J'ai vécu au fond du Cameroun, à Batouri exactement, un petit village qui est situé près de la République centrafricaine. Donc c'est vraiment au début de la grande forêt équatoriale. Et donc c'est... un lieu de vie exceptionnel, il faut de Yaoundé, donc de la capitale du Cameroun, il faut quasiment 10 heures de bus et de chemin de terre pour arriver à cet endroit-là. Et j'ai vécu une année donc, en coopération dans un petit prieuré avec des sœurs apostoliques de Saint-Jean. Et donc c'est une petite association qui faisait partir des bénévoles pour aider sur place, à la vie de la communauté. Voilà. Et donc moi particulièrement, je travaillais dans un collège là-bas. Voilà, donc allez. Vous enseignez Alors j'ai été chargé de faire la comptabilité du collège. D'accord. Voilà, pourquoi pas. C'est assez éloigné alors, de la musique. Ouais, exactement, c'était marrant de me retrouver à faire ça. Mais voilà, en fait, l'idée, c'était vraiment de rendre service là où il y avait besoin. Et ils avaient besoin de quelqu'un pour tenir un petit peu la comptabilité. J'avais pas de notion, on a appris sur place, c'était très intéressant. Et en fait, pour tout vous dire, j'étais parti au Cameroun avec ma guitare sur mon dos. Et en me disant, voilà, tu sors de 6 ans de concerts, d'enregistrement d'albums, la guitare, tu vas la laisser dans ta chambre, et puis tu vas essayer de vivre autre chose, de donner autre chose. Et donc, les 2-3 premiers mois, ma guitare est vraiment restée dans ma chambre, et chaque soir, en rentrant du collège, je jouais, je me remettais à écrire, à composer. Et puis en fait, un jour, y avait besoin de quelqu'un pour animer. Voilà, ils avaient besoin de quelqu'un pour animer. Et c'était un peu désemparé pour que le temps d'animation soit chouette, tout ça. J'ai dit, bon, allez, je vais pas... cette décision m'appartient peut-être pas, je vais quand même sortir ma guitare. Et à démarrer une nouvelle partie de mon année là-bas, c'est-à-dire que j'ai sorti la guitare, ça a été incroyable, le contact, le rapport déjà des gens là-bas avec l'instrument, avec le chant. Et en fait, j'ai passé les 9 mois après à jouer, à chanter, à apprendre des chants, à monter des chorales, à faire même des concerts, des veillées de louanges, des temps de prière. Une belle expérience. Vous connaissez l'Afrique, Tatiana Drenet ? Non, je ne connais pas l'Afrique. J'ai survolé l'Afrique en me rendant
dans la terre de mes ancêtres, l'île Maurice. Il y avait une escale, quand j'étais petite, il y avait une escale à Nairobi. D'accord. Mais j'ai pas du tout, c'est un pays que je ne connais pas, il y a encore plein de pays que je ne connais pas, et comme je vous ai dit tout à l'heure, j'aime beaucoup voyager, et donc c'est une destination qui est prévue. Vous avez ressenti à certains moments de votre vie ce même besoin qu'évoquait Thomas Pouzin de faire une retraite, de partir, de faire un break, de prendre de la distance, de réfléchir? Mais c'est ce que j'ai fait depuis un an, figurez-vous, après l'ouragan Sarah, comme j'aime l'appeler. Oui. La sortie du film qui a été cette aventure magnifique et en même temps qui nous a emmenés dans je ne sais pas combien de pays avec toute la troupe du réalisateur, des acteurs. J'ai eu envie effectivement de... Parce que je trouve que écrire, je vous l'ai dit, c'est quelque chose qu'on fait en silence. Donc, à un moment, il faut arrêter de partir à la rencontre de son public, parce que sinon, on devient comme Nicolas Colt dans mon livre, on n'écrit plus. Donc, j'ai obtenu de mon éditrice merveilleuse, Héloïse d'Ormesson, une année complète. Et je m'enferme volontiers dans mon chez-moi, qui est dans la Drôme, où il n'y a pas Internet, pas le téléphone, juste le soleil, le cigale et le ciel bleu. Je suis originaire de la Drôme. C'est vrai? Bah oui, je suis né à Valence. Ah ben voilà, c'est pas loin de chez vous, du côté de Nyons. Ah ben voilà, les olives. Voilà, vous vous retirez pour réfléchir et pour écrire. Ah oui, bien sûr, être avec mes amis, ma famille, réfléchir, écrire et parfois aussi ne rien faire. Très bien. On va passer à présent au questionnaire inattendu, tout de suite après le jingle. Je vous sentais inquiète, Pékin. Il ne faut pas avoir peur. Non, le principe est très simple. Je vous pose une série de questions et vous répondez tout à fait spontanément dans l'ordre que vous préférez. Et on commence avec cette première question. Quelle est l'œuvre que vous auriez aimé accomplir? Waouh, c'est hyper difficile. Vous voulez dire écrire? L'œuvre au sens large. Moi, j'aurais aimé écrire Rebecca de Daphné du Maurier. On sent que c'est un auteur qui vous touche énormément. Oui, absolument. Et vous, Thomas Pouzin? Vraiment pas simple, mais il y a pas mal de chansons d'un groupe canadien, québécois exactement, qui s'appelle Arcade Fire. J'avoue qu'il y a pas mal de titres que j'aurais aimé écrire, et à chaque fois que je les entends, ils sont tellement bien écrits que je me dis, je sais pas si ça vous fait ça quelquefois, ou devant... J'aurais aimé, ou j'aurais voulu, ou j'aurais presque pu. Je trouve que quand l'auteur est vraiment bon, on dit... Et pourtant, on regarde ça, on se sent tout petit, on dit, c'est tellement bien fait, tellement... Voilà, donc quelques chansons d'Arcade Fire, j'aurais été fier de les avoir pondues. Y a-t-il une personne que vous admirez particulièrement et que vous auriez aimé rencontrer? Mais vous parlez de quelqu'un au passé, là. Non, une personne vivante ou morte, peu importe. Moi, j'ai eu la chance, et pour le coup, je l'ai accompli, j'ai eu la chance de rencontrer Jean-Paul II. Ouais. Et ça a été comme on lui devait un petit peu... Glorious, toute cette aventure, suite, comme je l'expliquais tout à l'heure, au JMJ, ça a été assez fort de rencontrer, de me retrouver face à face avec lui. Ça a été un grand moment pour mon frère et moi. Moi, c'est très banal ce que je vais vous dire, et peut-être que vous allez être très déçus, mais j'espère un jour rencontrer Michel et Barack Obama. Je ne suis pas déçue du tout. J'aimerais pouvoir les rencontrer tous les deux. Pourquoi est-ce qu'il vous frappe particulièrement? D'abord, leur couple me frappe, ce qu'ils représentent, et puis aussi la famille qu'ils forment. Les valeurs qu'ils défendent, leur tolérance, leur ouverture. J'aimerais un jour plus passer comme ça une demi-heure avec eux. Que diriez-vous à l'enfant que vous étiez lorsque vous aviez 10 ans? Continue la musique. Moi, j'aurais dit... Tu verras. Qu'est-ce que vous a appris la vie que vous aimeriez transmettre? Comme je le disais tout à l'heure, c'est pas facile à transmettre. Mais je crois que le jour où j'aurai des enfants, le principal pour moi sera de les éveiller à Jésus-Christ, qui est celui sur qui j'essaie de construire ma vie. Je crois qu'on ne peut rien donner de plus grand, de plus fort, donc les évangiles, pour qu'ils puissent découvrir le Christ. Moi, j'aimerais leur transmettre, mais je pense que c'est fait. Ce que mes parents et mes grands-parents m'ont transmis, c'est-à-dire l'amour des autres et la tolérance. Quelle est l'odeur de votre enfance? L'odeur de mon enfance? Le thé à la vanille. Que votre mère, grand-mère... Mais c'est ma grand-mère russe qui me faisait...
de thé à la vanille et le chocolate pudding de ma mère. D'accord. Je vais dire les lasagnes de ma maman, elle va être hyper heureuse. J'espère qu'elle regardera et qu'elle sera hyper heureuse. Les lasagnes de ma maman. Oh, ça me donne faim. Merci à tous les deux, en tout cas, d'avoir partagé vos expériences et votre parcours. Il est temps de rappeler votre actualité respective. Tatiana de Ronay, vous venez de publier aux éditions Héloïse d'Ormesson « À l'encre russe ». On lui souhaite autant de succès que tous les autres. Et Thomas Pouzin, vous venez de sortir avec votre frère Benjamin votre septième album, le septième album du groupe Glorious qui s'intitule « Nous dansons ». Merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission. À très bientôt. Merci à vous.